des enfants terribles. Bonjour à tous et à toutes, c'est l'Equidosote 666 pour l'épisode 4 de Batman et je bois à votre santé. De l'eau, bien entendu. Un corps comme celui-ci ne mérite pas autre chose que de l'eau. Tout simplement parce que quand je suis assez gros comme ça, si on pouvait éviter l'alcool, ça serait tout bénef. Me mèneront à Barbara. Je peux les suivre grâce au scanner de la Batmobile. Ok, alors moi j'ai un petit... Voilà, on peut le faire qu'en mode combat. Je trouve ça vraiment étrange. Ah, ça se fait automatiquement. C'est quoi ça? Des mines? Alfred, la milice vient de déployer un dispositif. Ça a creusé un sillon dans la route. Oui, je le vois. Des dispositifs similaires apparaissent dans toute la ville. Je mène l'enquête. Je dois examiner ce dispositif. C'est peut-être dangereux. T'as pas peur, hein? C'est une bombe, Alfred, et elle est bien protégée. Oh ciel. Dans ce cas, monsieur, ne devriez-vous pas vous éloigner de la zone? Je vais établir un lien à distance avec le bat-ordinateur et lui envoyer tous les virus en stock. Une fois qu'on sera passé, je pourrai accéder au noyau et le neutraliser avec une explosion contrôlée. Très bien, monsieur. Je dois cependant vous signaler que la milice a déjà déployé un peloton de tanks pour vous arrêter. Ils essaient. Monsieur, le téléchargement du virus a déstabilisé le dispositif. Si vous vous éloignez trop et perdez la connexion, tout sera rasé sur 10 pâtés de maison. Ils tentent de désamorcer le dispositif, comme vous l'aviez prévu. Les drones ont été déployés. Je sais, chef. Je vais l'écraser. Merde, je fais n'importe quoi. Ils sont grave nombreux sur ma gueule là. Du coup, je prends même pas le risque de monter à... Est-ce que j'ai l'air d'abandonner là, espèce d'enfoiré? Par contre, j'ai plus de vie, hein. La charge de la bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Ah oui, j'ai oublié, il faut ouvrir progressivement. Tu crois que c'est fini, chevalier roi? Toute la ville est prête à exploser. Essaie de désavancer les bombes. Et t'auras affaire à encore plus de drones. Tu vois, j'attends ce moment depuis des années. Et personne ne vient protéger. Sinon, je transforme comme un bon cratère fumant. Cet avertissement a été diffusé publiquement. Je suspecte le chevalier d'Arkham de vouloir dissuader toute intervention extérieure. Oula, on va changer de ville, mais par contre... Merde, ça c'est des dégâts que j'ai pris bêtement.
Bonjour. L'homme mystère. Parle. Ok, tout ce que tu voudras. Ça suffira. Oh putain. Oh putain. Il tue pas les gens, mais là... C'est le Mercy Bridge. Impossible, monsieur. C'est bloqué. La milice a dû réussir à s'infiltrer dans le système de contrôle des transports. Trouvez-moi leur point d'accès. Bien. Ah oui, c'est pas du tout la même ambiance. Du réseau, il semblerait que tout soit redirigé vers la gare de Grande Avenue. Alors ? Je vais voir si j'ai pas d'autres missions que je peux faire. Oula ! Alors je sais pas si c'est 24% de la quête principale ou juste de cette quête là. Parce que si c'est 24% de la quête principale, on y est assez vite. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire du secondaire. C'est forcément là-bas. Énigme. Espoir brille de mille feux pour une vie si obscure, trouve la source du signal pour poursuivre l'aventure. Ok, j'ai compris. Je vais y aller à pied et prendre le contrôle de leur point. Facile. Je vous contacterai quand vous pourrez abaisser le pont. Prenez garde, monsieur. Les drones et les troupes de la milice quadrillent Miyagani Island. Sujet obscurci. Ah, faut que je me mette de l'autre côté. Alors ça par contre c'est tellement relou à chaque fois que ce soit le même bouton pour la carte que celui pour... Je disais bien que ça se trouvait facile, que c'était un truc avec ça. Qu'est-ce que je peux faire? Il y en a un autre là, il y a un trophée là. Ok. Je vais faire un peu de trucs comme ça là. Après je me dis que peut-être pas nécessairement, mais j'ai pas non plus envie de trop rusher le jeu pour le let's play. Je l'ai eu ou quoi? Ouais, je l'ai eu. J'ai pas envie de trop rusher le jeu pour le let's play, mais en même temps, je sais que toutes les... Ouais, je pensais pas atterrir là-dessus, mais c'est pas grave. Je vais pas tout faire, parce que je sais que sur Play 4, je vais tout faire, et dans ce cas-là, je tournerai exprès les fins de quêtes un peu longues... en vidéo, dans une vidéo spéciale. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Peut-être pas. Tout dépendra de mon envie à ce moment-là. Ça sera dans plusieurs semaines. Oulala. Réfléchissons. J'ai compris. C'est un jeu de shoot. Ok, j'ai compris. On recommence. Regardez, c'est super simple. Mais faut être au taquet. C'est parti, tac, 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 tac.
cool, hein. Moi, je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ceci que je peux faire. Après, il y a plein de trucs. Après, tout ce qui est cadavre, tout ça, moi, j'y trouve comment? Faut que je me balade? C'est ça la question que je me pose. D'accord, c'était tout con en fait. Parce que j'aurais pas pu entrer de l'autre côté. Par contre, en tirant le truc, je débloque ça. Ok. C'est plein de trucs débiles en fait. On va faire ceci. Piste, trace de pneus. Ah oui. Ça c'est quoi? Objectif, énigme, défi en RA et tout. Je comprends pas tout, honnêtement. Peut-être qu'après aller sur l'autre île, ça va me débloquer des trucs. Mais pour le moment, on va faire quelques trophées. Après celui-là, oh, ça sera le dernier qu'on fera. Après, on ira sur l'autre île. Et ouais, non, bah, c'est vraiment cool le boost. Oh là là. C'est 20 000 fois plus rapide que la Batmobile. Hein. Non. Putain, je voulais pas utiliser ça, ça me saoule. Ok. Le toit du Gotham, Herald, on ira voir. Faut pas qu'on oublie d'aller voir le pingouin tout à l'heure. Il a... Putain. C'est tellement galère à utiliser. Donc, elle a parlé de quoi? Du truc Herald là? Ça le truc Herald? Non, ça c'est pas Nessa Studios. Truc Herald, tour de l'horloge, non. Truc Herald. Faut que je trouve déjà l'appareil explosif qui reste. Faut que je trouve le truc explosif qui reste. Par contre, comment je sais ce que c'est le truc Herald?
Y'en a un qui a dit what the fuck. Il a pas été traduit. Toi tu vas me parler. Oh, avec un contre et tout, c'était grave classe. Bon, c'est bien, mais ça me plaît pas, ça. J'ai pas envie de m'amuser, en fait, à faire tout le tour de la ville jusqu'à... Attendez, il y a peut-être moyen de mettre ça en truc rapide, mais je pense pas. Non. Ah si. La milice ne tiendra pas cette ville en otage. Je vais trouver et neutraliser son réseau d'explosifs. Non, parce que si je dois chercher à l'ancienne... On est sous occupation maintenant, c'est tordu. Je me souviens pas avoir déjà tué un pompier. Sérieux? Ça m'étonnerait. Non, j'ai tué des flics, des infirmiers, des gardes-côtes, des contractuels, des dératiseurs, mais jamais de pompier. Batman, il est là. Oh, mais c'est trop cool en fait, faut se balader dans la ville, écouter. Ok, je suis en train de me faire défoncer. De toute façon, j'ai pas l'élimination par contre de là. Ah mais en fait, j'essaie de le faire mais je peux pas, je suis con, c'est pour ça que je me prends des coups. C'est qu'il faut que je reste appuyé, faut pas que j'appuie à chaque coup. Oh bah. Mais il est où? 3 batarangs terminent tous les combats. Et ça, c'est depuis le premier, je crois. Ok, il faut que je me balade et que j'écoute les mecs, en fait. C'est génial. Non, pour de vrai, c'est pas ironique du tout. C'est juste que ça demande de la concentration que j'ai pas l'habitude d'avoir en let's play. Parce que dans Arkham Origins... Il y avait ce genre de truc, mais c'était indiqué en rouge à l'écran, on le savait tout de suite. Il a dit qu'on n'abandonnerait personne. Et puis d'un coup, cette sorte de boule de feu nous est tombée dessus. J'ai dû perdre connaissance. Quand un de ces fous a écrasé son mégot sur moi, ça m'a réveillé. Où sont les autres? Et notre chef? Je cherche encore. Restez là. Je vais vous faire escorter en lieu sûr. Ok, je l'ai fait celui-là. On va aller fouiller un peu par là. En fait, je comprends pas trop quoi. Ça, c'est le problème, c'est que... On est d'accord, faut les localiser en mode... Tu te balades et tu les localises. Là-bas.
Là, le jeu, il a galéré parce que... C'est LM Fury de minuit. C'est quoi cette histoire? C'est quoi CLM? Contre la montre. Il y a un défi dans le coin. Il y a lui, mais ah oui, c'est lui. Ah, dans ce cas-là, ça va être facile. 300 mètres en faisant départ Batmobile, c'est assez simple. Il nous faut une ligne droite, une grande vitesse et éjection. Regardez, je suis encore en train de monter. Et voilà, fini l'émeute. C'est toujours pareil. C'est sympa au début, et puis il y a des types qui débarquent avec leur équipement prétentieux, qui prennent ça trop au sérieux et qui cachent tout. Putain, ça j'ai bien dû les faire les 300 mètres là, sérieux. Bah pourquoi j'ai pas fait pourquoi je l'ai pas débloqué? Pour déverrouiller sécher et blaner sur plus de... Mais il est verrouillé. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Énigme. Non, je sais pas. Là je suis perdu avec leur système de quête secondaire, mais déjà. Je comprends pourquoi j'ai pas pu planer. C'est 300 mètres, c'est rien. 300 mètres, si. Je sais pas, on va voir. On va partir dans cette direction. On va attendre que Batman se pose. On va pas bouger. Bah voilà. Pourquoi je pouvais pas le faire avant? Là, il y a un défi à faire. Je vais aller le faire parce que je suis comme ça, moi. Un combo 50. Allez, c'est parti. Mais je comprends pas un truc. Wow! Merde. Ah ouais. Ok. C'est un Dax. C'est au moindre coup, c'est ça? Je sais pas si c'est au moindre coup, mais je pense au moindre coup. Ou alors dès que le combo s'arrête, donc au moindre coup. Dans ce cas-là, je les élimine. Moins il y en a, plus c'est simple. Et voilà. Ça, c'était facile. On peut monter super haut comme ça.
Ouais, il y a que les couteaux que j'ai pas trop compris. Mais je sais pas à quoi ça sert ces petits trucs rouges là. Mais j'en ai, c'est l'important. Donc. Il y a un truc là-bas. Alors, il y en a un qui est juste là. Ah, mais c'est tout la Batmobile, hein. Ok, attendez. Faut l'utiliser en mode. Je comprends pas trop tout là, c'est l'épisode de l'incompréhension. En fait, pourquoi je peux pas directement le prendre? Attends. Ok. Non, mais putain. Ah mais... Non. Bref. Je pense là, faut faire comme ça. Je me détache. Et là, ce coup-ci, je vais pas me tromper de bouton, mais c'est... Bouton du bas, Batarang télécommandé. Ok, là je sais foutre rien, je suis perdu. Attendez. Je dois pas avoir le matos pour. Bon, on va continuer cette quête principale, ça me saoule. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas avant, et après on va aller faire la quête principale. Pompier. C'est parti pour... D'où, attends, parce que alors là, c'est un peu compliqué, Batou. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire de Batmobile? Ça a interrompu mon combo déjà. What the fuck? T'es qui toi? Moi, les gros durs, hein, Batman. Ah, c'est bien le fait que Solzbier qui nous tue, qui parle. Quand j'ai pas compris pourquoi ils ont attiré attaqué la Batmobile. Elle peut pas vivre sa ville avec Batmobile? Pourquoi lui j'ai pas pu me le faire, c'est ça que je comprends pas. Merde. Il
J'ai pas compris là. Pourquoi le troisième, j'ai pas pu me le faire. Je vais pas avoir le bon angle de caméra, je sais pas. C'est bon, je suis là, calme-toi. Bon, les pompiers, c'est facile à trouver. Il suffit juste de trouver un endroit où il y a plein de mecs. Normalement, ils sont pas loin. Mais la bombe, aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien. Votre camion a été attaqué. Vous et votre équipe, je trouverai. Merde! Pardon. Restez là. Donc on peut bien zapper les dialogues. Ok, je voulais pas le découvrir comme ça, je suis désolé. Mais bon, c'est comme ça. Allez, oh, un autre pompier. Je crois. Oh putain, il y a une brute. C'était vraiment le parfait moment pour tomber à l'eau. Je sais plus comment on fait les boucliers déjà. Ah merde. Oh le combat quoi. Les boucliers, je sais plus ce que c'est la stratégie. Attendez, c'est... Oh putain, c'est quoi les boucliers déjà? Voilà, ça m'apprendra à tout miser sur le noir. C'est raciste? Attendez, c'est quoi les boucliers? C'est coup de cap deux fois croix, je crois. Parce que les boucliers, c'est le plus chiant. La brute, à la rigueur, ça passe, mais les boucliers sont hyper pénibles. Après, ils ont peut-être changé pour celui-ci, je sais pas. En fait, il faudrait que je chope un autre. Ouais, c'est ça, les boucliers. Mais je peux. En fait, je sais pas si. Ah, mais c'est un autre. Ah non, mais il était en mode. Ok, il était sonné. Ok. En fait, c'est pas non plus comme les titans de... des deux premiers. Mais je peux les. Comment? Je peux les exécuter en fait, tout simplement. C'est juste que je peux pas les frapper autrement comme ça. Oh, je vais dégainer mes batarangs à la gueule. Bon, les pompiers, super simple à trouver. Mais donc, c'est vraiment. Je trouve ça génial. Honnêtement, ça risque d'être long pour, par rapport au support vidéo. C'est plutôt pénible. Mais je trouve ça vraiment génial par rapport au jeu, quoi. Restez ici. Non, c'est... Ok, donc ça c'est cet endroit-là. Je commence à le connaître. Ok, ça c'est juste un mec. Maintenant faut que j'écoute, à chaque fois que ça parle, j'écoute quoi. Il y a une énigme dans le coin. Non. Bon bah allez, on va faire la mission. C'est pas l'armée de l'épouvantail, c'est celle de l'autre gars. L'autre gars? L'épouvantail?
bataille bosse avec un genre de super soldat. Enfin, soi-disant. Il a une tenue de Batman à lui. Ça va pas plaire à Batman. C'est quoi ça? Le hasard. Je me dirige vers le dépôt ferroviaire pour désamorcer la bombe de la milice. Prudence, ils risquent d'envoyer des drones sur votre position dès qu'ils vous détecteront en train de désamorcer. Parfait. Très bien, monsieur. Connexion établie. Comme prévu, monsieur, un déploiement réduit de drones est mis en place pour vous arrêter. C'est ça que t'appelles réduit, mon Alfred? Putain, c'est vraiment génial, hein. Raté. C'est bien, c'est que je les entends communiquer. Ils savent que je les entends communiquer. Merde. Il me faut un petit là, vite. Oh, fais chier. J'ai raté le point faible du petit. Il en reste 4. Ça c'est rigolo, mais faut comprendre. Non, je suis allé trop haut. Après, faut pas monter à toute puissance. Faut rester bien. Et bim! Merci Alfred. En fait, j'étais juste à côté tout à l'heure, j'ai même pas vu. Deuxième île, nous voyons là. Il y a un immeuble sur un toit, il y a un cadavre sur un toit, mais j'ai pas compris quel bâtiment. Et c'est pas ça, Terminal Raleigh? Non. J'attendrai que la meuf elle leur parle. Ok, donc ces trucs, c'est la merde, je peux pas les détruire avec des batarangs. Pourquoi il y a un... Il y a un lien entre les deux. Oh, d'accord. Cible perdue,
Merde, faut que... j'ai fait le con. J'ai été trop con, j'aurais dû l'achever avec X pour accélérer l'exécution. Les hommes du chevalier d'Arkham sont neutralisés. Je peux utiliser leur terminal relais pour abaisser les ponts. Wow. Pas de faire ça, toi. Avec toutes. Tu ne crois tout de même pas que ce vieux Jim passera l'éponge si tu la sauves? Il est rancunier, Batou. Tu peux me croire. Alfred, j'ai réactivé les commandes du pont. Formidable. Je relance immédiatement le réseau. Laisse tomber les montagnes. Il est temps d'avancer au vrai Batman. Oh Seigneur, est-ce bien qui je crois? Enigma. Contactez-moi quand vous serez prêt avec le pont. Petit énigme. Pourquoi Batman visite un orphelinat abandonné? Eddie, mon chou, tu me confonds sûrement avec Robin. Monsieur le Barbaraki et moi, on n'est pas si proches. Ah, oh, Catwoman! C'est Jamie? The Vicky Vale Show. Ah mais... C'est marrant, c'est le jeu automatiquement en arrivant comme ça, j'ai pu faire le truc génial. Dis-moi pourquoi. J'en sais rien, je le jure, je l'ai juste ligoté, il est à l'intérieur. Pourquoi? À quoi joue Enigma? J'en ai aucune idée, je l'ai juste amené ici et j'ai placé les trophées dans la zone. C'est tout. Vous devez me croire. Je te crois. Cathy. Oh. Ça pue. Batman, ça a intérêt d'être toi, et tu as plutôt intérêt d'être désolé. On reste calme. Est-ce que tu vas bien? À merveille. Quelle petite fille n'a jamais rêvé de servir d'appât pour son grand gaillard de chevalier noir? On s'en va. Toi peut-être, mais pas moi. Ah, enfin tous les participants sont là. Ce soir, il y aura des énigmes à gogo. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter mes chers acolytes. Ah, j'en ai eu assez de compter sur ce que les désespérants barbons de Gotham avaient à offrir en termes de main-d'œuvre décérébrée. Pourquoi s'encombrer? C'est des robots? Quand on peut concevoir, programmer, construire. Non! Genre, enfin. Genre. D'habitude elle les embrasse dans Arkham City, mais là elle peut pas les embrasser, c'est des robots. Après toi,
Ah, c'est trop bien. C'était trop bien. Ce jeu a des putains d'idées, c'est ouf. Pourquoi il y a un œuf ? Tu as déjà réussi un défi. Voyons dans combien de temps tu vas perdre ta longueur d'avance. Trébucher et tomber lamentablement. Tomber lamentablement dans ton bolide supersonique et fonce à Chinatown, détective. Ton deuxième test attend là-bas. Chinatown, attends là-bas. Je reviens vite. Tu reviens tout de suite, oui ? Les gars comme Eddie me fichaient la paix avant que je commence à être gentil avec toi. J'ai une petite énigme. À quel moment une porte mène-t-elle nulle part ? Quand on essaie de l'ouvrir trop. Ne me fais pas attendre. Oh, tu vas attendre. J'ai repris le contrôle des ponts. Très bien. Je vous contacte dès que je suis en position à Mercy Bridge. Alors là, Batman, mon vieux, en voilà un sacré dilemme, pas vrai ? Est-ce que tu vas sauver l'ami incompétente qui s'est fait enlever, ou bien l'ami incompétente qui s'est fait enlever ? Ta place, j'irai voir le défi concocté par Eddie. Je suis sûr qu'il s'est donné beaucoup de mal. Jean, on va devoir faire des choix. Puis, tu ne peux pas sauver entièrement Barbara, je l'ai déjà tué à moitié. Signale avoir entendu ce même air d'opéra associé aux autres scènes de crime que vous avez inspectées. Ok. Bah je vais faire ça, ça m'a l'air vachement plus sympa. Putain, l'air d'opéra, on l'entend pas de loin. Le mode de mutilation semble identique à celui des précédentes victimes. Il semblerait bien qu'un tueur en série sévisse à Gotham. Et moi qui pensais pourtant que les choses ne pouvaient pas être pires. J'analyse le corps pour trouver des signes particuliers. Elle sent d'où la radio ? C'est pas très joli ça. Encore une personne qui n'a pas de sexe. J'ai déjà vu des formes de cicatrices comme celle-là. Il s'agit d'une morsure. Le diamètre correspond à une espèce de sélachimorphe. Cette variété spécifique de requin se trouve exclusivement au large de la côte. Il a une balle dans la tête. Il a un truc rond dans la tête. Je regarderai ça en dernier. Vous êtes autre chose ? Non, il a rien d'autre. La victime porte une prothèse oculaire. Ah, mais c'est d'accord. Ce type d'acrylique chirurgical particulier n'a été utilisé qu'une fois, pendant un test il y a 5 ans. Bah ça peut être qu'une seule personne là, hein. Des broches. Le haut du bras présente des traumatismes. Des vis en titane ont été implantées pour soigner une fracture de l'humérus. Alfred, le nom de la victime est Lisa Mendes. Ah, la pauvre a eu une vie mouvementée, monsieur. Orpheline à 9 ans, elle connaît plusieurs familles d'accueil avant de sombrer dans la drogue. Puis elle s'initie au surf et perd son fiancé dans une attaque de requin. Elle travaille pour une association caritative de Tucson, Arizona, lorsqu'elle disparaît. Encore une personne enlevée hors des murs de Gotham. Un détail d'importance, monsieur. Oui, tout comme les mots inscrits à côté des corps. Essayez d'établir un lien entre les deux victimes localisées. Broken. On leur trouvera forcément un point commun. Je ferai mon possible, monsieur. Je commence à avoir beaucoup des points là, 9. Il faut peut-être les utiliser. Oh oui. Oh oui.
Ça, je prends. Il y a des bousses de grappin, on peut monter jusqu'à 4. Armure de mêlée. Allez, armure de mêlée. Barbara, Catwoman, Barbara, Catwoman, Catwoman, Barbara. Enigma, ça m'amuse plus. Fils ou Chinatown. Très bien, Enigma. Je vais jouer à tes jeux. Et je vais gagner. La vie de Selina en dépend. Mais si je me trompe pas, Chinatown, c'est sur l'autre île. Ouh, par contre, faut pas que je traverse en face. Je vais me faire défoncer. Bon, je vais y aller. Putain, faut que je la traverse vite, hein. Faut que je traverse super vite. Oula, c'est un peu tendu, ça. Là-bas, il y a un tas d'ennemis. Je vais aller voir. Ces militaires, ils envahissent des bâtiments et barrent des routes comme s'ils étaient chez eux. Là, ça fait vraiment tas d'ennemis regroupés. Ouais, encore un pompier. Ça, c'était facile. Les pompiers, super simple à trouver. Les cadavres, un peu moins. Dites-moi, faut que je sache. Mais les autres ? Certains de vos hommes sont rentrés au GCPD. Ils vont bien. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça ? Les dernières semaines ont été une plaie, même avant ce soir. Les départs, les feux qui jaillissaient de partout. De partout ? Oui. En une semaine, on en a eu plus qu'en deux mois. Le chef s'est décarcassé. On l'a vu se battre pour nos emplois, pour souder notre équipe. Je vais les trouver, je vous le promets. Attends. Putain, mais ça a viré mes missions, c'est relou ça. Pardon. Ah, je me disais bien que j'étais passé à côté. Je vais jouer à tes jeux et je vais gagner. La vie de Selina en dépend. Écoutez, je vais faire juste le défi qui est juste à côté. Et après, on fera l'épouvantail dans le prochain épisode. Ce qui pour moi est demain, donc ça me fait chier, mais je commence à être fatigué. J'ai pas envie de couper l'épouvantail au milieu. Par contre, ça, j'ai fait vite fait. J'ai pas du tout regardé ce qu'il fallait faire, parce que je voulais pas me faire attaquer. Ok. Ça t'es pas voulu le tir.
Alors ça, si je... Je pense qu'on fait un détour de 2 secondes, ça nous fait gagner 1 seconde. Ça, par contre, j'aurais pu le choper avec un dérapage. Ça, c'était gratuit. J'en suis qu'à la moitié du temps. Enfin, du temps que la mission nous donne pour 3 étoiles. Honnêtement, je me sens pas trop... Enfin, 3 étoiles, je pense pas que ce soit facile à avoir. Donc, j'ai des doutes, quoi. Là, je pense que c'est ce qui m'a cramé les 3 étoiles. Mais il veut que je fasse un tour de la ville ou quoi? Oh, ok, demi-tour. Parce que je me disais que j'avais débloqué ça avant de débloquer l'accès à l'autre ville par le pont, en fait. Oh là là. Ah, j'ai perdu grave du temps. Ah, c'est bon, c'est faisable. Je le fais là. Je le fais, c'est grave faisable. Grave faisable. Réessayer le défi. Ah, Maxime Robinet, l'a pas fait celui-là. Mais je crois que Maxime Robinet, je commence à avoir plus joué que lui. Là. En même temps, voilà, comme je dis, c'est un mec qui fait plein de trucs de ses journées, contrairement à moi. En plus, je suis en week-end, donc. Ok, petit bug. Je lui en veux pas. J'avais perdu un peu de temps là, que je viens de grave récupérer. Là pareil, si je coupe comme ça, en fait on gagne grave du temps. Petit boost. Là je frôle à gauche. Hop, encore un peu de temps. Alors par contre les prochains... Raccourcis comme ça, j'ai aucune idée de quand est-ce qu'ils sont. Les raccourcis, n'importe quoi. Les moins 3 secondes. Là, mais oui, c'est là où j'ai perdu grave du temps, je suis con. Rien qu'avec là, normalement, je devrais réussir sans problème. Allez, je prends ça. Là... On fait un tour. J'ai perdu du temps parce que j'avais pas compris. On booste. On vient là. On va à gauche. Ah, perte de temps débile là. Ah, on pouvait passer dans le magasin aussi. Et je mets 10 secondes d'avance. Ha, même pas. Je me suis amélioré de 15 secondes, c'est pas mal. En dessous de 1,25, on gagne un truc... je sais pas ce que ça fait. Pour chaque seconde, on peut en gagner plein. Mais je pense qu'en dessous d'1,25, faut vraiment être parfait, quoi. Sur ce, je vais vous laisser là pour cet épisode. On va aller prendre un peu de hauteur. Ah, bon, bah alors là, tour de l'horloge est juste à côté. En plus, j'ai une énigme à faire. On rallonge cet épisode, parce que du coup, comme moi, j'ai pas envie d'arrêter pour tout de suite. Je vais le rallonger un tout petit peu. Je crois que j'aurai tous les pompiers de la... De ce quartier en fait. C'est là-bas je pense.
Il y avait un truc du GCPD. Ah, mais là. Non, c'est pas là. Bon, du coup, je vais ressortir. Parce que j'ai obscurci. Attendez, je comprends pas là. C'est un rapport avec Poison Ivy, non? Sujet obscurci. J'ai trop petit. Et c'est les plantes, ça j'en suis sûr. Mais quel rapport avec les toilettes? Ça que je comprends pas. Là c'est obscurci, trop petit. J'ai pas envie de savoir ce que l'épouvantail nous réserve. Sujet trop petit. Je comprends pas. Attendez. Je crois que j'ai vu Batman tout à l'heure. Il avait l'air un peu plus poilu que d'habitude. Ce j'ai obscurci. C'est ça que je dois prendre. Mais. Sous quel angle? C'est ça la question. Si je fais ça, c'est trop petit. Aucun sujet détecté. Mais alors c'est ce putain d'hélicoptère ? Non, j'ai pas peur de l'épouvantail. S'il était si horrible que ça, il n'aurait pas besoin de son gaz, non ? On va rentrer à l'intérieur, je vais voir un truc. Putain merde, comment on rentre à l'intérieur déjà ? Bon, comme ça. Alors là, je comprends pas. J'adore ce genre d'énigme, mais deux fois de mon. Des fois, elle demande une connaissance de l'univers Batman vraiment hardcore. Une connaissance que je n'ai absolument pas dans le cas présent. Sujet obscurci, c'est fou. Attends, mais. Et si on allait voir les décombres de l'usine ? Allez. Attendez, je crois que je comprends. C'est peut-être une des statues en fait. Bah là, je vais faire un forfait, je crois, c'est sur cette... C'est sur cette énigme-là que je vais déclarer forfait, honnêtement. Je suis trop petit.
C'est lui? Non. C'est un truc, en étant là, j'arrive à le scanner et le jeu sait que je le scanne. Attends, mais... Soit il y a un détail que j'arrive pas à voir là-dessus, soit il y a un bug. Bon, écoutez. On laisse tomber cette énigme, on va faire le pompier qui est là-bas, et on va s'arrêter là, pour un épisode qui fera à peu près 1h10. C'est pas mal. Je devrais vraiment... Oh merde, les balles. Je sais ce que je devrais faire, vraiment. Les destructions d'armes, là, je pense que ça devient un peu obligatoire. Là, je me suis fait rappeler, là. Ouais, faut que je prenne les destructions d'armes parce que là, c'est aberrant. Ça me perturbe cette histoire de... Ça me perturbe vraiment cette histoire d'énigme là. Ce que vous venez de faire, j'ai jamais vu ça. C'était facile. Tout va bien, lieutenant. Vous êtes sauf. J'ai essayé, Batman. Je voulais aider. Mais je n'étais pas assez fort. Oh, c'est bête. C'est pas votre faute. Tellement dommage. Où que les flammes fassent rage, donne-moi la force de sauver une vie. Attendez ici, un agent. Quelqu'un qui n'est pas invité à la fête. Ah! Dit qu'on ferait mieux de se séparer. Qu'est-ce qu'on fera si Batman nous pète les bras et les jambes? Au cas où t'aurais oublié, on vient de saccager le service des urgences. Vraiment, Batou, qu'est-ce que c'est bon d'être de retour. Gotham n'était pas la même sans moi, pas vrai? Ah, l'épouvantail le plus gros caïd de la ville? Oh, pas pour longtemps. C'est quand même fou. Ok, donc en fait c'est pas du tout en haut. Donc en fait il doit capter autre chose. Qui a rien à voir. Parce que l'énigme, elle est plutôt au milieu. Comme ça, vu de nez, c'est juste au-dessus de moi.
Ça, je peux pas utiliser. Bon, écoutez, j'abandonne pour cet épisode. J'y réfléchirai et on y retournera dans quelques épisodes, un truc plus logique. Peut-être que c'est dans une partie de la tour à laquelle on n'a pas accès. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Ce sera pour le prochain épisode. Du coup, on va terminer cet épisode exactement au même endroit où on l'a commencé. Et je vous dis à la prochaine. Et c'était pas vous pour la suite des vidéos de du let's play. Oh. Oh. Joli bug. Et je comprends pas pourquoi là. Le jeu dit qu'on a quelque chose. Sujet obscurci. Là. En étant dans cet angle-là, ils me disent que le sujet est obscurci. Trop petit. Le crime parfait. Lol. En fait, c'est un truc qui a rien à voir. Ça m'a induit en erreur, mais c'est... Putain. Ça a rien à voir avec ça. En fait... C'est un truc qui est dans l'angle, là, qui est dans cette partie de la ville. Il y a une réponse à une autre énigme. Je dirais qu'elle est là, d'ailleurs. C'est ce symbole là-bas. Écoutez, vous savez quoi ? Bon, je rallonge l'épisode, je m'en fous. Désolé, mon pote. Je dois rejoindre la bande d'Arvée. Juste, on va faire le travail en... Sujet trop petit. C'est ça. Aucun sujet détecté. Sujet trop petit, c'est là-bas, c'est écrit Wayne. Attendez, parce que alors là, je... C'est n'importe quoi, si on peut trouver comme ça. Sujet obscurci. On s'y approche petit à petit. Sujet trop petit. Bah, il est là. Voilà. Sujet obscurci. Sujet obscurci. Sujet trop petit. C'est le pont. Le... Aucun sujet. Ah. Trop petit. Attendez, là il est trop petit. Et là. Aucun sujet. Et là, il est trop petit. Et là. Trop petit. Ça peut être la voiture qui est en train de tomber. je fais le truc de manière totalement... N'importe comment. Est-ce que je pourrais avoir au moins l'intitulé de l'énigme? Ça pourrait m'aider. Non. Tant pis. Sujet obscurci. Ah, je crois que c'est la voiture qui est en train de tomber dans le vide. Sujet obscurci. Sujet trop petit. Non. Aucun sujet. C'est toujours dans cette direction. Non mais, c'est Arkham. Non. Ok, alors, donc j'avais raison, je sais plus dans quel épisode, je disais que cette asile était Arkham. Cette île là-bas était Arkham. D'ailleurs, Arkham City, c'est ici. Normalement. Et ça me fait beaucoup rire parce que... Parce que je crois... Attendez, mais c'est ouf, hein. Attendez, je veux pas me tromper. Mais en fait, cette île... Cette partie-là de l'île... Non, c'est pas possible. Pourtant, il y a GCPD. Il est parfaitement au même endroit. Non, attendez, faut que... Je crois que... Attendez. Parce que je crois qu'en fait, cette partie-là de l'île... C'est... La première zone de Batman Arkham Origin, en fait. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, ça collerait pas. Ça aurait trop changé. Mais le Joker, on le voit partout, c'est un truc de dingue.
Non, je vais lui parler là, il est juste en dessous. J'arrive pas à croire que tu sois Bruce Wayne, Batman. Je veux dire, j'arrive pas à croire que tu sois Batman, Bruce. Alors le gosse de riche qui passe du bon temps pendant que Rome brûle, c'est pour de faux? Ah, c'est que j'adore. Du coup, je vous lâche là. L'épisode aura duré grave longtemps, mais cette énigme à la con m'aura perturbé trop longtemps pour rien. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau défi qui risque d'être intéressant, je l'espère. Et je vous dis à la prochaine, salut à tous!